Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma. Et malheureusement, cette semaine, nous allons parler de Camping 2, un film de Fabien Antoniente avec notre désolé Franck Dubosc et malheureusement Richard Anconina. Mais non! Ah Nicolas! Richard Anconina est très très bien dans le film. C'est vrai? Oui, c'est un peu la surprise du film. Oui, Valérie, c'est moi. Mais je voulais dire qu'on était bien arrivé. Mais je sais, on était en break. Oui, on va dire ça, oui. Je suis un spécialiste du break. J'ai fait un break qui a duré 6 ans. Résiste. Prouve que tu existes. Moi, c'est Patrick, de Dijon, Côte d'Or, et toi? Jean-Pierre Savelli. Tu vois, Jean-Pierre, tous les ans, je me fais un nouveau copain. Et cette année, j'ai l'impression que ça va être toi. Nicolas vous a inventé un petit jeu pour... Parce que je me suis beaucoup amusé à la vision du film. Oui. Donc j'ai pu noter quelques petits sketchs. D'accord, allons-y. Et donc on va pêcher un ou deux sketchs au hasard pour voir si on est prêt à y aller. Donc on va voir si tu vas rire par la petite mise en situation. Alors, qui est? Je peux lire? Oui, je t'en prie. Le maillot de bain et son érection. Eh bien Nicolas, je t'en prie, remonte. Non, on suggère des sketchs. Suggérons, voilà. Alors. Allez, une autre petite proposition. Et suggérer, c'est ce qu'on voit dans le film en fait. Ah, c'est plus que suggérer dans le film, c'est très très joli. Donc Franck Dubosc en maillot de bain, Marcel Rose, très joli, c'est le même costume d'un film à l'autre, et ça lui va toujours aussi bien. Alors, deuxième sketch, désodorisant toilette. Ah, mais je pense qu'on le voit dans la bande-annonce. Ah, oui, mais regardons, mais alors. Regardons. Monsieur Dijon, quel maillot de bain bleu. Monsieur Patrick. Ça va pas être possible. C'est très gentil, mais si on pouvait éviter de... What else? Alors, on a changé de couleur. C'est quoi ce nouveau petit jeu, Nicolas? Les parfaites répliques du film, celles qui font vraiment rire. Ah, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 1h30. Ça fait quand même. Non, mais elles sont pas drôles du tout, hein. Ah, c'est ça, pardon. Oh, j'en ai perdu une. C'est dommage. Alors, je lis la réplique. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Moi, j'ai découvert en plastique. T'as rien contre les couverts en plastique? Comme je dis toujours. Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi, j'ai découvert en plastique.